Hier, Charles, bravo, une belle victoire avec Persian King. Alors, partez en dehors, le cheval s'est montré un peu à l'an. Est-ce que ça t'a inquiété ? Bah oui, c'est vrai que c'est jamais facile de partir en dehors sur l'hippodrome de Chantilly, surtout quand c'est bon terrain comme aujourd'hui. Il est bien parti, tout de suite dans son action. Donc, je préfère avancer, le laisser se poser à demi du leader. C'est vrai qu'il était un peu nerveux derrière les boîtes. En partant, il était légèrement tendu. Après, il s'est bien posé. Il a respiré dans la cuvette et après, il est reparti et il a été le plus fort aujourd'hui. Il était vraiment très impressionnant aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'après, il repart très bien. Il a monté sur ses courses au fur et à mesure pour arriver très bien sur l'Hispalin. Aujourd'hui, il regagne un nouveau groupe 1. Il n'a rien perdu de sa superbe qu'il avait à 3 ans. Son entourage, peut-être, reste conditionnel pour le Jacques Lemarois, ce serait un retour en ligne droite, ce serait problématique, ça ou pas ? Je ne sais pas quelle sera la suite pour lui, mais c'est pas. Un parcours en ligne droite ne sera pas un souci pour lui. C'est un cheval qui a une grosse action et qui sera très à l'aise sur une ligne droite aussi. Entre 16 et 18, en fait, tout va pour lui. Oui, après, c'est certainement un cheval qui peut faire 2000 mètres. On verra. Je ne sais pas quelle sera la suite. Son propriétaire et son entraîneur décideront. Merci, Pierre Chalmont.